Hey. Et re YouTube, on est reparti pour cette Elden Days, troisième session pour aujourd'hui. Après des boss, il doit pas m'en rester tant que ça. Hein. Du moins, je pense pas. Vite, il me le faut. Allez. Ok. Merde, j'ai loupé mon coup. Ça va là? Ah, oh, excuse-moi de te déranger, Fanny. Excuse-moi de t'avoir dérangé, Godfrey. Ah oh, ouais, je comprends. Arrivé le matin comme ça, ça c'est pas. Petit connard. Godfrey. Oh, t'imagines en vrai, t'es dans ta petite ville là, tranquille. Puis t'as un mec qui vient pour essayer de te buter. Puis t'as beau le buter autant de fois que tu veux. Il revient, mais toutes les deux secondes. En vrai, y'a de quoi s'énerver. Ok, vas-y, fais ton gros coup. J'étais hyper loin, d'où ça fait ça là? Ok, il le fait. Voilà. On lui a mis du 3000 dans la gueule là. Ouh, j'ai lancé mon coup mais j'aurais pas dû en vrai. Hein. Oh, j'ai loupé. C'est dommage là. Allez, vas-y, viens. Ok, ça non plus j'ai pas réussi. Non, j'ai raté. Elle l'a pas fait là. Aïe. Ok, là il le fait. J'ai eu très peur, mais c'est bon, c'est passé. Oh non! Attends, là c'est pas le gros où il me met déchiquette après? Non, c'est bon. Un bouffe. Arrête de me faire ça, putain. Si chiant. Ouh, j'ai eu le temps de prendre ma vie. Allez, on se casse. Voilà. C'est quoi qui m'a tué? Je demande ce qui m'a tué là.
J'avais quoi? J'avais un saignement? Je demande l'avare! Non mais attends, c'est quoi qui m'a tué là? Parce que... Il fait du saignement? Je crois pas. Il met un coup qui me fait perdre de la vie. Messieurs du stream, vérifiez s'il vous plaît. N'hésitez pas à vérifier si quand il est dans cette forme là, il peut me mettre des coups un peu en mode saignement quand il fait son déluge de griffes là. Parce que là vraiment... D'où ça sort? Depuis quand il me fait ça? À quoi sert cette attaque? Ah. Allez, là c'est ma faute. Ah, attends, excuse-moi. Ouais, c'est bon. Ah. Mais d'où tu me touches? Là, j'ai fait... Ouais, j'ai joué au con. C'est marrant parce que même notre saignement, qui avant faisait énormément de dégâts, j'ai l'impression que contre lui, bof, ça fait pas grand-chose. Puis j'ai aussi l'impression qu'on peut pas lui mettre de dégâts de saignement en phase 2. Après bon, j'ai jamais eu trop l'occasion de lui mettre beaucoup de coups en phase 2, hein, tu me diras. Heureusement qu'il y a des musiques stylées, hein. Pour les boss. Parce que s'ils nous mettaient des musiques toutes pourries avec des boucles de 2 secondes, je pense que l'on deviendrait fou. Ah, loupé. Je voulais me barrer et me remettre de la vie, mais j'étais vraiment dans un endroit compliqué. C'est dommage parce qu'en phase 1, on arrive vraiment à enchaîner au niveau de la vie. Hein. On arrive à le fatiguer assez vite. C'est la phase 2 où lui mettre des coups devient plus complexe. Rien que le fait qu'il ait des chopes à la Honda, là, qui t'enlève les 3 quarts life. Ah, on est content d'avoir un Honda dans Elden Ring, tiens. Si c'est bien un truc où je m'attendais pas à voir, c'est ça. En même temps, on tient dans sa main. C'est quoi ce jeu où tous les personnes, tous les boss, tu tiens dans leurs mains? Faut que j'arrête de taper tout le temps à ce moment-là. Ok, là il enchaîne. Ah, c'était pas cette popo là que je voulais utiliser, mais tant pis. Ok, il fait son coup. La popo. Ok. Ah. Des fois je me demande, il le lance à quel moment exactement le... Quand il se met en mode espèce de brume là, en mode guerre tout là. Le mode guerre tout et qui commence à faire des coups de pied. C'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression d'affronter une transfo à la Gear 2 comme Luffy, et pourtant il a quand même les coups sismiques de Barbe Blanche. On est vraiment dans ce genre de délire. On affronte Barbe Blanche, voilà. C'est littéralement Barbe Blanche, il a fait des coups sismiques.
Ah, là je l'ai pris par contre. Ok. Je prie. J'ai pris trop de risques. J'ai pris trop de risques. Et boum, explosion! Un peu d'Akainu aussi. Non, un bon Barbe Blanche. Oh là là. Au moins, je sais ce que ça donnerait d'affronter Barbe Blanche dans la vie avec une épée. Voilà. Bienvenue dans la vie d'un soldat de la marine. Et encore. C'est pas un simple soldat de la marine parce qu'il faut au moins maîtriser le haki pour lui faire du dégât. Oh là là, ça part en conversation, gros fanboy là. Allez, déjà, 800. Oh, je prends trop de coups là. J'ai pas le bon timing, j'ai pas le bon timing. Je comprends pas un mot. Bah, c'est normal si tu regardes pas One Piece. Là, tu peux pas comprendre grand chose. Ah, j'aime pas quand il fait son espèce de coup là. Ah, puis souvent je les prends tous après. Hein. Oh, mais je les prends tous! Et qu'est-ce qui se passe là? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à battre la phase 1 là? À croire que mes esquives sont hors jeu. Je n'ai plus de réflexe. Mon corps il a dit stop. Mon corps il est en mode non mais c'est bon, hein, oh, tous les lundis tu m'en sers du Elden Ring, j'en ai ras le cul. Oh là là. Ça va aller mon corps, t'inquiète. Plus tu auras fini le jeu, plus tu t'en seras débarrassé, allez. T'es contre le premier seigneur d'Elden, qu'est-ce qu'il te faut? Tout va bien. Au début c'était le mardi, il est pas encore habitué. Ah ouais, on faisait le mardi Elden Days. Ah mais oui, t'as raison. T'as raison. Ah bien. Ah, je l'ai pris cette fois-ci. Un jeu pour se faire du mal, ça. Salut Slime, ça va? Un jeu pour se faire du mal, mais une fois que t'as gagné, t'es content. Non! Il nous encule. Après, hein. Oh. C'est pas un jeu pour se faire du mal, c'est un jeu pour se faire beaucoup de plaisir en cas de réussite. À l'école. Bah attends, comment ça se fait que t'es sur mon live alors que t'es à l'école toi? T'es pas censé faire autre chose? Attention hein. Faut pas rater sa scolarité hein. Non parce que moi j'ai réussi. Elle a raté. Donc bon. Oui et non. Bon. Allez, viens. Moi qui lui ai mis le premier coup. Ah, faut que j'arrête de faire des coups comme ça.
Oula. Normalement j'ai cours d'anglais mais j'y suis juste pas allé. Ah d'accord, bah là on est complètement dans une esquive de une esquive de scolarité là. Après moi je peux que comprendre, je déteste l'anglais. Ah, je l'ai quand même pris tiens. Non, esquive. Non. Ok. Ah putain, j'ai voulu tenter un truc, je pensais qu'il était trop loin. Je pensais qu'il allait pas me baiser comme ça. Ok. Ah bah ouais, malheureusement les profs. T'as pas le choix de faire avec souvent. Aïe, il m'a mis un coup de pied dans la farce. Oh, il m'a baisé. Putain. Ah oui, je dis pas que l'anglais est pas pratique. Hein. Mais bon. Mais anglais, de toute façon, je connais, donc c'est pas grave, c'est encore du super bas level. Ah ouais, d'accord, ok. Si t'es dans l'optique... dans l'optique, les cours d'anglais, ils sont beaucoup trop faciles pour ton niveau et tout, je peux comprendre que tu les esquives. Bon, les runes sont loin. Là j'étais content, j'ai réussi à les mettre 2-3 coups. Non mais genre d'où tu me touches. Ça va tranquille. Bon après quand on voit la taille de l'âge, on peut comprendre mais... Ok. Non mais ça va là. Putain, j'ai pas fait les skips qu'il fallait. Nique ton dossier pour les études, mais tranquille, moi j'en ai pas fait. Bah c'est pour ça qu'on fait du stream. Hein. On va pas se mentir. Les présences à tes cours sont pas obligatoires. Ah ouais. Putain, ça en France, ça existe pas. Hein. En France, plus tu grimpes, plus t'as intérêt d'y être. Allez, viens. Ah, je pensais pas qu'il a... Oh.
Ouais, un peu tard l'esquive. Esquive un peu tard. Ok. On va faire attention. J'aurais pas dû changer mon timing. Mais what? Mais non, mais putain, je me prends tous les coups. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste combien de boss après celui-là? Parce que je crois qu'il m'en restait 4 ou 5 la dernière fois. Mais j'ai pas vraiment compté combien j'en ai fait. Je crois qu'il me reste Godfrey et 2 derrière. Et après j'ai fini la trame principale. Allez, j'ai mis un coup bonus hein. C'était risqué, mais on l'a fait. Viens là. Oh, j'ai failli taper ou l'esquiver. Allez, le petit saignement. Allez, allez, allez. Ok. Et voilà. Ok, on se casse. Ah putain, c'est vrai qu'il en fait deux. Ah putain, c'est vrai qu'il fait les ondes de choc maintenant. Oh. Les ondes de choc, il est passé aux ondes de choc, il faut que je retienne ça. Genre attention qui monte. Le sel. Qui sale ma viande. Petit à petit. Des petits grains de sel se déposent sur mon corps. Et j'essaye de les enlever hein, entre chaque essai, mais. Ils affluent. Ok, d'accord. Ah, t'as toujours les profs un peu relous. Ah, bah en fait non, ce coup il fait mal, en fait. C'est juste qu'il a jamais réussi à nous le mettre. Oula, il y a eu comme un lag.
Ok. Ok. Il est où, il est où? Ah les enfoirés, ils ont essayé de me la mettre. Le beau coup de pied. Non mais quand il fait ça, je sais jamais quand c'est une chope ou quand c'est la farandole de griffe. Ok, quand c'est une chope, il se met le bras sur l'épaule. Quand c'est pas une chope, il fait juste ça. À retenir. Faut vraiment analyser pour savoir à quel moment il fait quel coup, parce que... Si je vais vers l'arrière, c'est pour esquiver une chope. Si je vais vers l'avant, c'est pour esquiver... la farandole de griffe. La farandole. Et encore une fois, ça m'a fait pop à un endroit chelou. Hein. Alors... Où sont mes runes? À ses pieds. Super. Bon, en vrai, on peut le faire. Ok. On les a. Merde. On l'a peut-être fait un peu tôt là. Ça va. Ah merde, c'était le coup de hache. Voilà, prends ça. L'uppercut. Là, c'est la chope. Je voulais pas faire ça. Je voulais esquiver. Mais j'ai fait carrière mon avis par panique. Ok, on court. Oh. Ok. Ok. Non. Je me suis envolé. Mais pourquoi il s'est accroupi ce con? Ah ok, maintenant il fait des coups de pied avant ses coups de poing, en mode feinte. Merde, je suis mort. Il nous fait des feintes.
En plus, c'est encore plus insupportable parce que, étant donné qu'avant, il y a eu un boss qui était à la même zone, qu'on a galéré comme des porcs, cet escalier, j'en avais déjà marre de le monter. Alors, le fait qu'ils nous en mettent un deuxième au même endroit, quelle bande de bâtards. Alors, où est-ce que c'est là? Merde. Bon là je joue con. J'espérais que je le termine là. J'ai joué au con, je voulais absolument l'avoir, mais j'ai pas pu. Oh, la tristesse. Après, c'est normal qu'on galère un peu, hein. C'est quand même le boss. Un peu l'ultime. C'est les derniers boss du jeu, on est obligé de. De galérer. Par contre, les coups qui one-shot, c'est chiant. Même si pour l'instant, on arrive plutôt bien à esquiver juste les chops. C'est un peu le but du jeu en entier aussi. Bah, je suis d'accord, c'est le but du jeu, mais là, on arrive vraiment sur les boss de fin de jeu, tu vois. En général, les boss, bon, tu fais 4-5 essais. Tu fais 4-5 essais et puis voilà, quoi. Ah, puis j'ai pas des bons timings au niveau des attaques. Oh, mais d'où je me le prends, lui? Il y a des coups, des fois tu te les prends, tu sais pas d'où ça sort. Hein. Genre là, le gros truc de feu, on est d'accord que j'étais plus dans la ligne du milieu. J'avais aucune raison de me le prendre. Mais non. Ça devait être un caillou avec une autre forme, j'imagine. En plus, depuis le temps que je veux voir ce qu'il y a dans cet arbre. Passer la porte, putain. Et à chaque fois, il m'en empêche. Après, je pourrais utiliser une de mes runes majeures pour augmenter ma vie. Je l'utilise jamais. Attends deux secondes. C'est bon, on peut s'y mettre.
Allez, là je le prends pas. Voilà. Merci, bonne app. Bonne app, bonne app. Ouais, j'ai pas réussi à faire le gros coup. Oh le bâtard. Hop là, en l'air. Là, l'erreur fatale. Allez, je suis mort. De toute façon, ça va très mal commencer cette histoire. Ça va très mal commencer. C'est vrai qu'il est déjà midi, il va falloir que j'aille manger. Moi. J'aime pas aller manger. Quand je suis dans un boss comme ça, là. Ça donne pas envie. Bon. Et nous... Hop là, balance-moi ça. Ok. C'est vrai que prendre du recul, ça aide. Ça, tu... Je peux pas dire le contraire, parce que là, le boss, le clerc, là, dès que je suis revenu, j'y arrivais beaucoup mieux. Oh, mais j'ai vraiment des timings pourris. Oh, je fais n'importe. Ah, puis je joue avec le feu là. J'ai vraiment envie de jouer avec le feu. Ah bah tiens. Oh, j'utilise plein de potions pour rien. Alors que j'ai rien pris en dégâts. Plus qu'un timing. Tant pis, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah oui, c'est vrai qu'il fait ça maintenant. Je fais n'importe quoi. Ouais, j'essaye encore pendant 20 minutes. Histoire que la VOD fasse une heure. Et après, j'irai manger. Et si jamais, voilà. Si on y arrive, tant mieux. Et si jamais, bah, on enchaîne, hein, on continue. Ou alors, on va peut-être aller pex un peu. Pas forcément pour les dégâts, mais plutôt pour la vie. Augmenter un peu notre vie, peut-être. Je sais pas. Ouais, faut que j'arrive à me détendre, je les connais ces coups.
Là ça va, c'était un peu mieux géré. Faut juste que j'arrête d'essayer d'en mettre deux à chaque fois. Faut vraiment que je fasse un coup par un coup et avancer tranquillement. Ah là là, barbe blanche, quelle force. On sent que ces passages-là, c'est l'ennui parce qu'on essaye de trouver des choses à faire pendant le passage, mais du coup, on perd du temps. Enfin, je perds du temps. Je me demande, il a une barre de vie de combien, lui? Bien. Là, je peux remettre deux logiquement. Je pouvais, hein, c'est juste que j'ai fait une esquive au mauvais moment. Ok, on esquive ça. On se met bien loin, voilà. Et là, celui-là, j'aurais dû le prendre dans la gueule. Ah, j'ai tenté, hein. T'es sûr. Oh, j'ai fait ça. Ah, mauvaise esquive. De la merde. Avant, à chaque fois qu'il arrivait, qu'il faisait son truc avec le pied en l'air là, j'arrivais à lui mettre au moins, je lui mettais deux coups au début minimum, et puis après derrière je lui en mettais quatre. Donc en gros j'arrivais à lui faire du, ouais allez, au moins du 2000-2500 de dégâts, un truc comme ça en plus. Ça fait une belle part de la jauge quand même. Et maintenant on n'y arrive plus. Dingue. Pour l'instant, on n'a jamais réussi à enlever assez de vie pour arriver au, à la phrase. À Godfrey, seigneur, premier seigneur d'Elden. À chaque fois. Allez, premier coup, parfait. La vache, il m'astompe. Waouh. Que dire de plus que waouh. Wani. Oh, c'est chaud. Bon, attendez. On va essayer de se concentrer un peu plus. On va être en mode focus un peu plus. Ok.
Ok. Allez, on court, on va reprendre notre vie. Ok. Merde. Non, putain, ouf. Ok. Ok, ok. On a esquivé pas mal de fois quand même la mort. Mais là, c'était pas mal. Ouais, ouais, proche, proche, carrément. J'étais à fond dedans, là. J'étais vraiment focus comme un malade. On va continuer de faire comme ça, hein. Focus comme un fou. Oh non, non, la phase 2, on y est déjà, hein, merci. Ça suffira, non? On n'a pas non plus infini de jauge. Alors. Ah mais ouais, moi non plus, je sais pas. Hein. J'espère juste pas. Allez. Ok. Ouh, je l'ai pris celle-là. Ouais. Il y a un autre problème que je fais. Que je fais beaucoup trop souvent. C'est qu'en fait, quand je suis sous pression, mes mains, en fait, bah, je mets plus de force dans la manette. Ce qui fait que, pour bouger, comme ça, là, j'appuie plus fort. Et du coup, j'accroupis mon personnage. Et accroupi, il va beaucoup moins vite. Et accroupi aussi. Il fait pas les mêmes attaques. Et ça, c'est une erreur que je fais et que j'arrive pas à changer. Quel cauchemar. Ah non, pas pratique. C'est vraiment une grosse erreur de ma part et chose à corriger, mais où j'ai encore du mal. Beaucoup de mal à corriger. Et hop, merci. Ah, pourquoi j'ai lancé un coup ? Ah, il y a des moments où on arrive à aller loin, mais il y a des moments où c'est vraiment on se tombe dès le début. Ça me fait rire. En plus, quand je parle, on entend mon PC qui fait wouh à l'arrière. Mon pauvre PC qui endure.
Il est en train de mourir mon PC. Là en ce moment par chez moi ça se réchauffe. Enfin j'imagine que c'est partout pareil mais... Mon PC lui n'aime pas ça. Ok. Allez, on reprend l'endurance, on reprend l'endurance. Merde. Mais d'où je me fais taper là? Là j'étais plus dans la zone et je me le suis pris quand même. Ça, ça m'énerve. Est-ce qu'il y a des petits rochers un peu plus loin des fois? Parce que je suis focus sur le boss, moi, je regarde pas plus que ça sur les côtés. Mais là, on était vachement loin du truc du milieu, non? Si seulement on pouvait avoir genre une vue du dessus. En mode un peu arbitre. Qui nous montrait ce qu'on a fait, où est-ce qu'on a fait l'erreur et tout. Parce que quand t'es dedans, t'as pas un feedback assez... Ton feedback n'est pas assez bon. En fait, il faudrait qu'il y ait des coachs. Des coachs d'Elden Ring. Ici, tu fais une erreur, tu prends un coup. Alors que tu pourrais l'esquiver tranquille. Là, je sais que je peux en faire deux. Ok. Ou alors ça se trouve c'est un truc en cône. Putain. Le combo de 3 là qui fait, j'ai le temps. Mets un délai au stream et regarde-le sur un autre écran, comme ça tu peux voir une deuxième fois. Ah mais j'aurais pas le temps. Je verrai ma mort certes, mais t'as pas le temps de décoller en fait. Même avec un délai de 2 secondes, j'ai pas le temps de regarder à droite ce qui se passe pendant mon combat. C'est trop chaud. Mais c'est une bonne idée. Complexe, mais bonne. Ah, on voit que le soleil se lève un peu plus. Mon fond vert commence à prendre des teintes de blanc. Allez, vas-y. Ok. Là j'étais obligé de le prendre. Car je n'avais plus d'endurance. Non non c'est qu'une ligne, c'est juste qu'il y a des endroits où il y a des cailloux en fait. C'est pour ça que j'en prends. Les 4 coups qui passent. Ok, ça passe. On prend la rajine tout de suite. La vie enculée. J'aurais pas dû le traiter, mais il est trop cher. Oh, ça énerve ça. Quand tu te fais OS comme ça dès le début. Alors que t'as 10 fioles de vie. 10. Attendez, je vais essayer pour la première fois ce truc là. Allez, hein, c'est parti.
pour avoir une jauge de vie des enfers là. Ah viens bâtard. Ah, j'ai un chat qui fout le bordel. On va reculer un peu. En fait, même avec la même explosion, si je suis sûr de pas le prendre. Là, je peux en mettre deux. Ok. Ok, j'ai mis un coup. Oh, le saignement. Ok, ça passe. Ok. J'ai pas le temps. Ok. Allez, voilà, ça dégage. Ah, c'est bon là. Hop. Ah et merci hein. Oh la vache. On a passé. Oh le plaisir. Oh le plaisir de le baiser. Merci pour le GG Slime. Ah d'ailleurs je sais pas si t'as vu mon petit planning Slime. Mais on est bien sur du BPM hein. Oula, attends, c'est quoi ça? Bonne chance nécessaire. Oh là là, qu'est-ce que ça va être encore? Radagon. Tiens, Radagon. Ok, on va se concentrer un peu.
super. Non mais ça va là. Vendredi. Attends. Oh, mais les dégâts qu'il me met. Oh le bâtard! Il m'a bien baisé là. Ah, ça va être sympathique ça. Bon bah voilà, c'est le nouvel objectif. du coup, vendredi, je crois que j'avais dit que ça commençait à 9 ou 10 heures, un truc comme ça. Je crois que c'est à 9 heures que ça commence. Donc de 9 heures à 17 heures. Non, c'est de 10h à 17, ou alors de 9 à 16. Voilà, c'est ça les vrais horaires. Bon, il va être sympathique. YouTube, je te fais des bisous. Je te dis à la prochaine. On a notre nouvel objectif face à nous. Et on se revoit pour la prochaine VOD. Tchuss.